Allez, à moi. Ah, je suis touché là. Allez. J'ai vraiment trop hâte de vous tourner la vidéo que je vais vous tourner aujourd'hui. Pour preuve, il est super tard. Je sais pas si vous avez connu ça, moi je crois que j'étais gamin à l'époque. Les combats de robots faits à la télé. Des images valent mieux que mille mots, ça ressemblait à ça. Moi quand j'étais gosse, je voulais tellement en avoir un, ça me faisait trop envie d'en construire un, mais j'avais pas trop les connaissances. Sauf qu'aujourd'hui on peut en acheter. Et c'est le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui. En fait, salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Un peu fatigué aussi. Mais c'est cool. Bon, attendez, je vais vous les montrer. Voici les robots de combat de la taille d'une main. Alors ok, je sais, ils sont pas très impressionnants comme ça, mais laissez-moi vous les présenter. Lui, il s'appelle Bernard. Et lui, il s'appelle Valentin, c'est mon petit frère, il va participer avec moi dans cette vidéo, on va se combattre en duel. Salut les geeks. Alors oui, je sais, j'ai 28 ans, il y a des fois je me dis Adrien, t'es vraiment un gros gamin. Si toi aussi t'as gardé ton âme d'enfant, et ben tu laisses un gros pouce bleu à cette vidéo, et pourquoi tu te marres toi? Non, rien. Pourquoi? Parce qu'il y a des enfants qui me regardent, forcément ils ont gardé leur âme d'enfant. Non mais revendication, ça fait un peu violent, genre nous sommes des enfants. C'était la seconde intervention de Valentin, merci beaucoup. Le cadrage il est sympa là. Alors en fait je voulais vous montrer la boîte mais comme on est des gros gamins justement on n'a pas hésité au fait d'y jouer donc je l'ai déjà unboxé. Mais du coup ça c'était la boîte. Les robots auxquels on va jouer aujourd'hui sont de la marque Xbug. Je les ai trouvés dans le plus grand magasin de jeux du monde à Londres. Je vous avais fait une vidéo si vous l'avez vu. Alors c'est pas donné et je me suis fait arnaquer. Il faut que je vous raconte ça. Alors est-ce que je me suis fait arnaquer ou est-ce que je suis bête honnêtement? Sans commentaire. Je pensais pouvoir vous faire deux vidéos. Explication. À la base, j'ai vu la grosse boîte. Je me suis dit, super, ça fait une vidéo. Et puis, je vois tous les petits trucs, tous les petits robots. Et je me dis, tiens, c'est d'autres modèles différents. On va commencer par faire une vidéo avec les petits robots, puis une vidéo avec les gros robots. Sauf qu'en fait, ça, c'est pas des robots avec lesquels tu peux jouer, c'est juste des accessoires pour les gros robots. C'était marqué Accessory Pack sur le pack qu'ils ont mis le prix. Et autant vous dire que c'est pas donné, hein. Un pack d'accessoires, c'est 8 livres. La grosse boîte avec deux robots, c'est 50 livres. Vous rajoutez à peu près 10%, ça vous fait les prix en euros. Oui, cette vidéo va me coûter cher. Mangera des pâtes, hein. Donc dans ces vidéos, on va se défier en duel. Donc dans le kit de démarrage, on avait deux gros robots. Chacun avait trois accessoires, des télécommandes et des stickers. Chaque robot, il a déjà une arme principale. Ici, on a une roue qui tourne. Vous allez voir quand je vais l'allumer, c'est trop cool. Lui, le rouge, il va avoir un marteau qui va attaquer l'ennemi. Alors chaque robot, en fait, a deux défenses sur les côtés, ce qui symbolise un peu leur vie. Exactement ça qu'il va falloir faire tomber à l'ennemi. Et en plus de ça, on a des petits accessoires qu'on peut mettre à l'avant ou à l'arrière du véhicule. Et comme ça, tu peux un peu personnaliser ton véhicule. Tu peux avoir une petite stratégie d'attaque et te défense. Alors j'aime beaucoup, ça me fait entre guillemets un peu penser au Toupi Bulblette dans le sens où tu vas avoir des robots plus dans l'attaque, plus dans la défense, des petites stratégies face à ton adversaire. Sauf que là c'est des robots de combat, c'est génial. Enfin moi je suis trop fan. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà eu un jouet que vous auriez trop aimé avoir étant gosse? Ou un truc que vous aimeriez trop avoir maintenant? Qu'il existe ou pas d'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires, ça nous donnera peut-être des idées pour des vidéos futures. C'est quoi les jouets, les trucs fun que vous aimeriez trop avoir? Bon par contre là où ils ont chié c'est sur la télécommande. C'est-à-dire que, enfin au niveau de la taille, même mon pouce il est plus grand. Bon on va commencer par faire notre premier combat et après on testera tous les accessoires qu'il y a. Moi je veux le jaune. Tu veux le jaune? Ouais. Parce que t'es... Moi je vais prendre la force jaune, le gros disque. Et toi tu vas prendre... La force rouge évidemment. Le gros marteau. Voilà. Ah mais j'ai oublié de vous dire, je vous fais gagner le gros kit de démarrage, j'organise un petit concours à la fois sur Twitter, sur Instagram. Pour participer Valentin? Bah like, partage, tout ça. Pas du tout, tout est noté dans la description. Je suis fatigué. Elle est trop stylée mon attaque. Trop bien. Allez, recule, recule, recule. On les remet bien. Allez, une vie en moins pour toi. Allez, wouhou. La défense, j'ai rien vu venir. Victoire de la roue de la mort, mon gars. Oh, allez, un partout, un partout. Oh, non, je suis bloqué, je suis bloqué. Allez, là, là. J'ai gagné. Je crois qu'ils l'ont même pas vu, mais en fait, il m'a expulsé du champ ici. Je vais lui mettre ceci. Allez, go! T'es prêt? De la swan? 3, 2, 1, go! Allez, à moi! Ah, je t'ai touché là! Allez! Ok. Tu veux qu'on change juste de ouais, robot pour voir? Vas-y. T'es prêt? Ouais, go! Go!
Tu nous as fait quoi là, Valentin? J'ai perdu le contrôle. J'ai voulu faire un dérapage en mode drift et tout, trop stylé. Eh ben, tu t'es loupé, mon gars. Mais faut pas se suicider en fait. Parce que du coup, c'est trop facile pour moi. Il est pas stylé, mon robot. Et en plus, ils sont réactifs. Oh, c'est quoi cette triche? Prêt? Go! Allez là, ton hélice. Ah, j'ai tapé sur le collet. Allez, marche arrière. Je vais essayer de t'avoir avec ma grosse hache à l'arrière. Oh non. Mais crève. Approche. Hop là. Ok, d'accord. Je trouve le jaune, il est quand même un peu cheaté, tu vois. D'ailleurs, ces robots-là, on les avait déjà vus à la télé, ils ressemblaient à ça. On va donc changer, on va prendre les autres accessoires, mais je vais prendre la truelle orange. Toi, tu prends lequel? Le truc bleu. Regardez le mien. En fait, il descend, là, je peux l'arrêter, et attention, boum. Donc, avec celui-là, faut vraiment jouer le bon timing, tu vois. Ouais, le sien, il a des tout petits crans, mais par contre, il est rapide. Et par contre, il est défoncé, ton robot, Valentin. Quoi? Regarde, je l'ai mal refermé. Tu l'as mal refermé. Le mec, il a perdu d'avance, tu sais. Alors, le point faible des robots, par contre, c'est pour les avoir testés sur la moquette, etc. Ça roule pas du tout dessus, les roues, elles sont trop petites. C'est prêt? Nouveau round. Fight! Non! 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 Oh! Oh! Alors, c'est moi qui l'ai eu. Allez, bim! Le combat le plus court. C'est bon, t'es mort? Ah, je suis mort? Ouais, t'es. Oh non! Putain, j'étais trop chaud! Là-bas, t'étais trop chaud. Mais... J'ai fait renverser, putain! Il était chaud, je l'ai renversé. Je l'ai refroidi en 2 secondes, quoi. J'ai même pas remarqué. Bon, alors, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez ça fun comme gadget? Moi, je trouve ça plutôt cool. Dites-moi vraiment tout ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est un peu cher. Je trouve que les accessoires, ils sont fun. J'ai vu qu'il y avait d'autres marques de robots de combat. Ça pourrait être sympa de faire une petite série là-dessus. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un parmi vous qui crée des robots de combat. Enfin, de manière légale, j'entends. J'imagine, on refait le truc, mais avec des machins de 3 mètres de haut. Avec une vraie tractopelle, tu sais. Oh, et avant de partir, chose très importante, vous voulez aussi votre pack de robots de combat? Eh bien, c'est très simple. Vous envoyez robots de combat au 36 15 15. Non, c'est plus simple. Vous avez le choix, vous avez 2 solutions sur Twitter, sur Instagram. Twitter, vous me followez, vous RT le tweet dans la description. Sur Instagram, vous me followez, vous likez la photo dans la description, vous taguez 2 potes en commentaire de la photo avec qui vous aimeriez bien jouer. Et puis c'est tout, c'est simple en fait. On s'amuse parce qu'on est des grands enfants. Alors qui parmi vous a laissé un like parce qu'il a encore gardé son âme d'enfant? Et puis on s'amuse parce que la vie est un jeu. Alors amusez-vous bien. Ciao!